Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut Cieno Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, ici présenté sous sa forme Extra Ball, notre petite session courte mais savoureuse où l'on rattrape parfois un film ou une série qui nous avait échappé. En l'occurrence, on va parler de Strictly Criminal, le film de gangster avec Johnny Depp maquillé comme à la parade, et on va le faire avec mon camarade Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Thomas. Allez, Cieno Ciné Extra Ball spécial Strictly Criminal, et c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Strictly Criminal, qui en VO s'appelle Black Mass, me demandez pas pourquoi ils ont changé le nom, c'est leur problème. C'est réalisé par Scott Cooper, qui avait déjà sévi sur Crazy Heart, qui avait chopé une flopée d'Oscars en 2010, dont celui du meilleur acteur pour Jeff Bridges. Ici, il nous raconte l'itinéraire criminel de James Bugler, alias Whitey, alias Johnny Depp, surmaquillé, avec tout un tas de figures connues, dont Benedict Cumberbatch, Joel Edgerton et Kevin Bacon. Et c'est assez pourri, n'est-ce pas Stéphane? Ouais, en fait c'est assez étonnant, parce que quand tu regardes le film, pendant que le film se déroule, tu te dis ah oui, c'est du vu et revu, mais c'est mâché et remâché. Oui, mais c'est proprement fait, tu vois. Moi j'ai le souvenir quand même d'une belle lumière, d'un cadrage, tu sais, c'est assez bien cadré, tous ces trucs là moi je suis assez sensible à ce genre de petits détails, ce qu'on appelle le cinéma. Tu vois, genre, voilà. mais c'est vrai que quand tu ressors du film, tu te dis pour tout ça pour ça. Donc déjà il faut remettre un peu le film dans le contexte. On sort quand même de 10 ans de Johnny Depp qui juste en roue libre totale. Oui. Donc moi j'avoue que c'est avec un peu... gros penchant pour le maquillage quand même. Ce que je veux dire, c'est que c'est le Johnny Depp des Pirates des Caraïbes, ouais. de chez Burton, de Charlie à Chocolaterie, lunatique mais pas trop là. Voilà. Et moi j'avoue que ça commence à vraiment me sortir par les trous de nez, quoi. C'est un peu comme Robert Downey Jr. aujourd'hui, qui est en mode Iron Man depuis 10 ans. Mais bon, il avait sa cote de popularité. Et donc quand le film est sorti aux États-Unis, ça faisait donc 2-3 ans que Johnny Depp était en disgrâce auprès des critiques. Et là d'un seul coup, c'est le retour en... ouais. Voilà. Le retour dans un grand film, machin, tout ça. Voilà, grande performance, etc., etc. Alors ce qui est très étonnant en fait, c'est que comme toujours en fait, mais ça c'est aussi le personnage à l'intérieur du film qui veut ça, hein, le vrai personnage, le personnage de Whitey, en fait Johnny Depp bouffe le film littéralement. Écrase tous les autres, voilà, tous les autres acteurs. Tu ne vois que lui, et tu ne vois que lui effectivement, parce qu'il y a cette espèce de maquillage étrange qui le rend un peu hors de la réalité, parce que il est surmoche, quoi. Il est surmoche, mais c'est-à-dire moi je quand je regardais le film, je me disais mais en fait c'est le chapelier fou mais sans le chapeau, oui, quoi. C'est avec une calvitie. Et donc le truc c'est que c'est censé ressembler au vrai personnage de Whitey, mais ce qui est pas totalement vrai, parce qu'on a été vérifié, on a regardé les photos, c'est pas totalement vrai. Sauf que le personnage de Whitey il est humain, donc oui. C'est ça qui est très étonnant. Et donc t'as ça, t'as le fait que t'as cette performance qui bouffe un peu tout le film, un peu comme encore une fois le personnage bouffe finalement toute l'histoire. Et c'est un peu le souci du film en soi, c'est qu'en fait t'as comme ça se veut être une espèce de chronique en fait de la vie de ce bandit qu'on traverse, son parcours criminel jusqu'à le moment où il fuit Boston. Voilà, et t'as plein de moments en fait qui servent à rien. C'est-à-dire, on raconte le fait qu'il a eu un enfant qui est mort prématurément, jeune. Ça n'a aucune incidence sur le personnage, aucune incidence. La mère, en fait, était là jusque-là, elle disparaît complètement de l'intrigue, elle ne reviendra jamais, on ne la reconstitue pas là-dedans. Et t'as beaucoup de scènes comme ça, tu me faisais la réflexion que c'était quand même un film où les mecs répétaient 3 ou 4 fois la même scène. Oui, il y a 3 fois la scène de viens, on va te mettre en sécurité, puis en fait, ils butent le type ou la nana, ça dépend des moments, parce que c'est pas toujours le même personnage qui bute non plus, mais ils auraient pu le faire, hein, parce que c'est à chaque fois la même histoire. C'est en fait, on est potes, tout va bien se passer, et il y a quelqu'un qui lui tire dans la tête dernier moment. C'est ce qui est intéressant avec le film, c'est qu'en fait, ils oublient complètement qu'il y a un spectateur qui est en train de le regarder et qui est en fait en train de le truc, et tu te dis mais ok, je veux bien que tu me racontes, mais pourquoi tu me racontes l'histoire de ce mec là puisque en fait elle se termine pas vraiment, donc le vrai personnage est encore vivant, ça aurait été intéressant, il est en prison, oui. Ça aurait été intéressant de savoir en fait, de peut-être de le faire le film dans 10 ans et de savoir quand, parce que là maintenant il est quand même assez vieux, hein, il a 80 et plus, quoi. Peut-être quand il sera mort, peut-être qu'il y avait un dernier chapitre à rajouter à cette histoire. Surtout que son histoire est totalement folle, parce que donc c'est le parcours criminel de ce type qui vient du sud de Boston, dont le frère est le président du Sénat du Massachusetts, donc est l'homme politique le plus puissant de tout l'État. Lui est un mafieux qui a des accointances avec le FBI, donc est protégé, donc peut faire un peu tout ce qu'il veut et devient en gros le parrain de Boston. Et c'est exploité, c'est filmé comme n'importe quel film de gangster depuis que tout le monde a été traumatisé par Scorsese. Exactement. Et du coup, on reste dans ce... Alors qu'il y a ce matériau complètement dingue, voilà, ça ne couche de rien. Voilà, en te refaisant, donc, en le
collant dans un espèce de ce qui est devenu un moule, en fait. Oui. Voilà, que tous les cinéastes se repassent comme si c'était facile de faire du Scorsese, quoi. Et, preuve et, que non. Voilà. Et donc, en fait, t'as notamment, par exemple, t'as cette scène qui reprend littéralement la scène de Joe Pesci. Au restaurant, oui, restaurant qui là, en l'occurrence, et tu te moques de moi, scène de, voilà. La scène de bouffe. Ouais, ouais. Voilà, et là, c'est pareil, c'est une scène de bouffe, ouais, avec... un avec... personnage qui vrille et une discussion qui part en sucette. Voilà, ouais. Avec, comment il s'appelle, Johnny Depp, donc, qui dit au personnage, tu me donnes la recette, mais si tu me donnes la recette familiale, ça veut dire que tu pourrais nous balancer, ouais, etc., etc. Et en fait, t'as tout un jeu comme ça entre est-ce qu'il déconne et ce qu'il déconne pas, qui est exactement la même scène c'est, que... C'est voilà. Joe Pesci, mais franchi. Et alors, le problème, c'est qu'en fait, donc, comme je disais, moi, je regardais le film, je me disais, bon... Ça va où ? C'est la question. Et en fait, effectivement, quand le film se termine, tu te dis, ok, ça va nulle part. Mais ouais, c'était soigné. Ils ont essayé de faire une belle lumière. Voilà. Apparemment, pour les critiques américains, ça suit parce qu'il a été quand même. Nous, chez nous, le film est passé complètement inaperçu quand il est sorti en salle. Mais aux États-Unis, ça a été monté en épingle. Mmh. Et attention, c'est peut-être un. Chef-d'œuvre, le nouveau Scorsese. Ouais, puis le prochain film à Oscar. Prochain Oscar pour Johnny Depp, La Rédemption, etc., etc. On a vu que ça n'a pas été le cas. Mais surtout, ce qui est. Du coup, moi, ça me fait plus penser à un film comme Donnie Brasco, c'est-à-dire que c'est un film où tu le regardes et tu dis c'est pas, oui, il pas déjà mal Johnny fait Depp. Voilà, il y avait déjà Johnny Depp, c'est pas mal fait, mais en fait tu l'oublies, quoi. Voilà, donc moi Donnie Brasco je l'ai vu en salle à l'époque, je l'ai jamais revu, j'ai aucune envie de le revoir. Et Black Mass c'est un peu le même souci, quoi. Donc voilà, Black Mass Strictly Criminal en français dans le texte. Voilà. C'est un peu le même souci, et ouais, c'est un coup pour rien, c'est vraiment ça, un coup d'épée dans l'eau, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien, mais bon, c'est dispo en Blu-ray, DVD, même en VOD si vous voulez le rattraper, si vous l'avez raté, si vous voulez vous faire votre propre avis, vous avez le droit. Merci Stéphane, merci à Julie à la technique, et autant que pour l'accueil, nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions. Et Nos Ciné, ça fait partie du réseau Binge Audio, binge.audio. N'hésitez pas à nous laisser des mots doux, on adore ça, et on vous dit à très vite. Salut à tous, c'est Jean Z, No Game, le podcast jeux vidéo, c'est tous les mercredis sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine.